She said she want me back. I never made a promise of a faithful tire. Till the day she got me called, I thought she was a... Salut la famille, je vais vous mettre Yoki Mafer sur TikTok. Oui, on n'est pas seulement à l'aise tous les temps. Il faut rire aussi un peu. Hein, la famille. Nous sommes les soi-disant blogueurs. Bienvenue sur notre page d'abord, Buzz Promas TV. Hein, la famille. Je vous mets, ça concerne le combat d'Ngannou et Tyson Fury. Oui, c'est vraiment. Regardez d'abord la vidéo, regardez. Hein? On se prend à TV2 pour une nouvelle vidéo. Bezo et hasta pronto. Siri, comment Tyson Fury a fait pour gagner Francis Ngannou? C'est ce qu'on appelle la mafia. Pour comprendre comment Tyson Fury a gagné, malgré que c'est lui qui a pris les plus gros coups de poing de toute l'histoire de MMA, on dirait que Francis Ngannou réclamait la liberté de l'Afrique sur Tyson Fury. Il suffit de chercher à savoir comment l'anus coupe le caca alors qu'il n'a pas de dents. Même après le combat, Cristiano Ronaldo est allé voir Tyson Fury et lui a dit « Je t'aime comme un frère Fury, mais Francis Ngannou c'est mon idole. Parce que lui et moi nous avons les mêmes états d'esprit, on n'accepte jamais la défaite. Je sais très bien que tu es un rageux Fury quand je te regarde dans les yeux, mais Francis vient d'une autre planète, là où on ne sait pas comment les gens font pour vivre là-bas. Alors mon cher ami, sans vouloir te vexer, on sait que cet résultat c'est comme les élections en Afrique. »